Merci que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée. Kolo Yesu apambola moko na moko pe asala favorable et pas ya moko na moko. Topesie merci pour ta précieuse occasion ya koyeba ko partager weza maloba nae et belé bazui angote ne par la grâce du Seigneur apesi biso ngolu o. Et belé bazan kata ba distraction ba futilité. Mais par sa grâce, il nous a accordé le temps de partager aux Amalobanae. Yango, tous reconnaissants, les Bosonae. Tous les Okobanakat en semaine, associés les sept paroles de Jésus-Christ. Tous les Simbaki, sixième jour, sixième parole, pour introduire Zaki. Les lots de Nkokoba, Nakatia, sixième parole. Que le Seigneur soit béni. Yamoto Bandato Bondeli. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce temps. Seigneur Jésus, merci. Nous te recommandons ce temps sous ton contrôle. Nous allons nous enseigner. Nous sommes la musique au nom de Jésus. Tombama, en fait de manifester ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous avons levé la sixième parole. Tout est accompli. Nous avons mon candidat à Jean. Chapitre 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Donc, tant que soit vu, vinaigre, tout est accompli. Or, vinaigre, tout est ce qui est en haut, le vin aigri. Vin aigri. Masanga oyeza lokola ngai oyeza penda kitoko te eza lokola ngai totalisaki masanga lokola enseignement de la loi. C'est pour dire que quand le Seigneur azomela masanga ndazolobake tout est accompli. Donc il fallait qu'il mela nanu masanga pour alobake tout est accompli. Donc il fallait qu'il mela vinaigre pour alobake tout est accompli. Vinaigre toujours comme l'enseignement de la loi. Oyo, ezala ki malam te. Oyo, ekoye ko bigisa te. Selon Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, okomona kuna nzamba zoloba ke, na pese ki bango ba loi, o ezala ki malam te, o na nzela nango bakoye ko bika te. Personne ne pouvait accomplir la loi. C'est ça, le vin est gré. Mais le Seigneur azomela yango na ekulu, cela veut dire il avait accompli la loi à la croix de Golgotha. Ok. Tozoko banakata lakisi na biso. Donc c'est pour dire que tango akomela masanga nde vinaigre nde alobi que tout est accompli. Quand il prend le vinaigre, alobi tout est accompli. Gloire au Seigneur, nous continuons nakati ya enseignement na biso. Tozolo ba pele susu ke tango le Seigneur azoloba tout est accompli. Et bandaki kotali sake ba mystère nyonso ya nzambe ayebaki na kokokisa yango tanga zolo bake tout est accompli. Cela voulait aussi dire que tous les mystères de Dieu étaient accomplis en Jésus. Donc ezana mystère mokote oye tikalaki ba mystère nyonso ezalaki accompli na kati na ye. Ok, tozo ko banakata litea na biso. Tous les mystères, tu dis, et cela qui est accompli en Jésus, tu dis, Mukanda et Jean, Jean chapitre 12, tu as verset 13, Tokiti. Jean chapitre 12, tu as verset 13, Tokiti. Tu as verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venit à la fête ayant entendit dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un anneau et s'assit dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis le petit digne à naître. » Que le Seigneur
bénisse cette lecture. A tomoni le Seigneur azokota na kati ya Jérusalem. Maintenant azokota na kati ya Jérusalem, toujours remarqué nini, la première des choses, il était assis sur l'anneau. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, tomoni batu bakati ba mandalala. La branche ya mandalala bazo ya mbaye. Remarqué oza dernière Pâque. Oyo Jésus azokenya na Jérusalem. Za Pâque ya souka. Oyo Jésus kenya na Jérusalem. Na Pâque warande le Seigneur akokende okufela. Mais remarqué Jésus tango aza o mata na Jérusalem oko remarqué boye. Na kokata ba mandalala. Bakumata na ba mandalala po bayambaye na ba mandalala moni. Ok, wana tuza na chapitre 12 tolobi ke ba paki mususu o Jésus akota a mataka likolo ya nonte bayaka pe na mandalala te. Me na paki oyo tango azo mata nde tozo mona azo mata likolo ya no et puis tozo mona mandalala eza kobima. Que le Seigneur soit loué. Or, ano, oye a mataki na yango, soki tokei na mukanda ya juge, soki tokei na mukanda ya juge, chapitre 10, verset 4, le lobby, tobana verset 3, après lui s'éleva Jaïr, le Galadide qui fit juge en Israël pendant 22 ans. Verset 4, il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes appelées encore aujourd'hui Bourges de Zaïr et situées dans le pays de Galade. Tosui, chapitre 12, verset 13 à 14. Après lui, Abdon, fils d'Hilel, les Piratonites, fils juge en Israël. Verset 14. Il y eut 40 fils et 30 petits-fils qui montait sur 70 anneaux, il fut juge en Israël pendant 8 ans. Ok, que le Seigneur bénisse cette lecture. Toujours remarqué, Nini, toujours remarqué que Banaya ba juge, Oyo Bazala qui considérait le Kola, ba roi, donc ba juge, Bazala qui ba conduit, ba chef bandek au régné, Banana bango bandek qui matande l'ikolo, ya ba anneau. Voilà, tu comprends que Anno, ils allaient qu'à mentir à n'importe qui. Anno, ils allaient qu'à mentir à roi. Transport à roi. Donc, tout le monde a le Seigneur, à Mati, l'icolo à Anno, à Zokota, à Jérusalem. Ils allaient qu'ils pour n'accotent pas, ils allaient qu'ils aient belé. À quoi qu'on s'en a cheval. À quoi qu'on s'en a cheval. À Mati, l'icolo à cheval. Moni. Mais à s'en a cheval, tu à au s'en a Anno. Or, le critique total ici, et ça n'a pas été tant que c'est un an. C'est pour dire que, tant au moins les seigneurs ont maté les colons à nos pocos dans Jérusalem, et ont talisé qu'il était tout un roi qui était venu visiter son peuple. Moni, il était tout un roi qui était venu visiter les peuples. La raison pour laquelle, au Komona, tant que tu vas au Yemba, bazo ont remarqué, dans Jean chapitre 12, tant que tu vas au Kosepela, Yoka Maloba, Oyo Baza Koloba. Yoka Makambaza Koloba. Alors, vous voyez, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et a attendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Pris des branches de palmiers, allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Bazo confirmait qu'il est roi. Au moni, Jésus trouva un anneau et s'assit dessus selon qu'il est écrit, ne crains point fille de Sion, voici ton roi vient assis sur le petit dîner en ainsi. Donc, awa le Seigneur, c'est pour dire qu'il était tout un roi qui était venu. C'est lui, le roi d'Israël, qui était venu. Mais vous remarquez que Israël a corrigé. Donc c'est lui, le roi d'Israël, qui était venu pour régner. Mais Israël va les rejeter. Aujourd'hui,
nous, nous l'avons accepté. Il est notre roi. Il règne à l'église. Il est notre roi. Après l'enlèvement de l'église, à Kozonga Kapé, na Israël, pour régner na Bakati na Bangope. Donc, na Sima, il y a enlèvement de l'église, Nengourou et Kozonga na Israël, ne. Bien, papa. Ne, Bisso na Bango, na reine millénaire, Tokoye Bakosangana, le Seigneur sera l'unique roi qui va régner sur toute la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Nous continuons dans notre enseignement. Et l'eau qui a liboso toujours remarqué nanou, et l'eau qui a liboso toujours remarqué nanou, la présence des nanous, pour expliquer à nous comme les rois, comme on tire à roi, c'est pour dire que le Seigneur Jésus, ou à qui le corona en haut, c'est tout un roi. Wana tu expliquer. Et l'eau qui a mis balé, tout le monde va branche y a mandala là. Et l'eau qui a mis balé, tout le monde va branche y a mandala là, et bimi. Oh, branche y a mandala là, pour voir que. Bakata ki ba branche ya ba palimier pe bayaki na yango bazo pe paliboso na ye bakata ki ba branche ya ba palimier baza ko pe paliboso na ye eza pamba te eza na tina eloko oyo soki toke na mukanda ya psaume soki toke na mukanda ya psaume chapitre na yango nonande verset na yango 12 Bible lobby, les gis se croisent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Ici, bazo présenter biso les palmiers comme les gis. C'est pour dire que tango moni batu bazui mandalala, ba branche à palmier, baza ko pepa na passage à Jésus. C'est aussi une façon de dire que Jésus est le gis. Moni, c'est aussi une façon de dire que Jésus et les gistes, bah, qui ne peut accueillir Moyenge Beni, parce que le véritable giste, c'est Jésus. Pour tout le monde, après le péché de l'homme, l'humanité tout entière, tout le monde qui a injustice, Moyenge Beni, c'est là qu'il est sous-souté. Voilà pourquoi le véritable giste devait venir. Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Ni les mains. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ni il n'est intelligent, ni il ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Moni, bazo talisake, ezala ba Yuda, ezala biso bikolo, bisonyo sou moyenge ben azala kite, nasima li soumou ya Adam. Bisonyo sou moyenge ben azala kite, nasima ya li soumou ya Adam. Moyenge beni, c'était Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous voyons Nzambe à la Tinzoto. Tangwaye aza kokota, batubakati mandalala, bazo yambaye pour dire que c'est lui le juste. Gloire à Dieu. Tozon dima que Jésus yende azalaka juste. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes devenus des justes à cause de l'œuvre de la croix. Quand il était monté sur la croix de Golgotha, il nous a justifiés. Ape si biso justice naye, nde lotokomi ba yenge beni, le lotokomi ba juste. Lisolo oyo, to histoire oyo, Jean 12, ezana ba koule rebele, mais biso tozo ben dango par rapport à l'ité na biso. Kobo sanati, tozo lo bela, tout est accompli. Tozo bela, tout est accompli. Skoyo, okotou nangata msouke, motei oke kuna nenge nini. Yozo lo bela, tout est accompli. Mais oke na lisolo ya Jean 12, nenge nini. Quel rapport y a-t-il entre tout est accompli? Nali solo ya Jean 12. Nous disons que ilokuzawana par la grâce de Dieu tokoyeba na ko expliquer que le Seigneur nous bénisse. To expliquer na biloko mi balé. To bi que tant le Seigneur son matalikolo ya ano, ano za la ki montir ya bakonzi ya baroa. Je peux dire qu'il était roi. Tango moni mandalala e katami eza ko pepama n'entrée à Jésus. Ils ala ki pe pona ko talisa que Jésus oyo baza ko yamba. C'est tout un roi. Moni? Ok. Rendez-vous pour nous dire que Jésus wana aza roi mobimba. Ok. Que le Seigneur soit loué. Ok. Donc, qu'est-ce que quelque part, pour nous dire que tout est accompli par rapport à l'Ikambo? Il faut te dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que tout est accompli, mais ok, dans Jean 12. Toza na mukanda ya Levitique
chapitre 23. Lévitique chapitre 23, toujours verset 39, Tokiti. Lévitique 23, Tobana chapitre 39, Tokiti. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Verset 40. Vous prendrez les premiers jours du fruit, les beaux arbres des branches des palmiers, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffis et des sols, des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigents en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai habité sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Remarquez, fête Oyo, et ça qu'on s'est passé dans le 15e mois, dans le 7e mois. Et puis, Babengiango, les gens qui fêtent l'île, à Watang, on va récolter l'Anda Malam, Nabandeli. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez les premiers jours du fruit, des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres toffis et des sols de rivières. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Nazongi na Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, dans le verset 13. Prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Ok. Par rapport à l'écriture autre PC, tu peux remarquer que Israël, il y a un 7e mois, tant que la récolte, bakozwa ba branche ba nzete bakozwa ba mandalala bakobima na yango ekozala esengo omoni ekozala esengo. C'est pour dire que Israël na fête ya récolte nde ye azwaka ba branche ya palmier akati yango abimi po asepela. Quand vous faites, il y a récolte salamaka. Cela veut dire que, et puis, bah, le bien, par rapport à penser Oyo, c'est pour dire que au 7e mois, les fêtes, et au salama, il y a récolte. Faites, il y a récolte, c'est pour dire que, bah, l'ona qui n'a pas ma belle, bah, tiens, qui m'bouma n'a pas ma belle, mais tant que tu comme on a fait, tu as récolte, bambouma ozeki na sa mabele ebimi. Donc bambouma ozeki na sa mabele, donc ba récolter ba moissonner ebimi ndesko ba kozwa mandalala ba kobanda ko sepela mandalala tango zo bima etal sabiso la fête aussi ya récolte. C'est pour dire que babuki bazane sengo ba bimi si bloka kolia bazo sepela ndeto moni mandalala etalisami tango to moni le Seigneur azo kota to moni pe mandalala ebimif. Nous avons directement compris que tango moni le Seigneur azo kokota wana tango batie mandalala ezo talisa que c'était aussi la fête des récoltes. Ezala ki pe fête des récoltes, ezala ki fête aussi à moisson. Donc expliquer ezala ki pe fête ya récolte, ezala ki pe fête ya moisson poto ndi make ba fête nyo so sept eza expliqué en Jésus-Christ. Et ça expliqué en Jésus-Christ. La Bible dit que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire ou d'une fête. C'était l'ombre de bien venir, mais la réalité est en Christ. C'est pour dire que tant que mon Jésus, pour remarquer,
Jésus tant qu'akota kana Jérusalem na bapaki nyoso o Jésus akota na Jérusalem basalela ibongote metango azoya na paki wazuke ndokulia ya suka oyo ndi bakusalela ibongo. C'est pour dire que paka suka ndi zotali sa makambo suka oyo ndi bazosalela ibongo. Ya ngoto zolo bake bien que c'était la Pâque, mais dans la pensée de Dieu nous disons que ce jour-là c'est aussi la fête des moissons. Que le Seigneur nous bénisse. La fête des moissons, c'est pour dire que tant beaucoup moissonné, ne beaucoup zoa mandala la beaucoup kata ba branche à banzete, beaucoup kata ba mandala la, ne beaucoup yeba na ko sepela. Merci Seigneur. Simba bien toujours bela, tout est accompli. Premièrement, on commence à s'aimer. Deuxièmement, on va moissonner. Que le Seigneur nous bénisse. Yango to lobi ke tant toujours le baké. Tout est accompli et tel sera que Jésus qui avait aussi accompli tous les mystères à la croix de Golgotha. Remarquez, toi, on a fait des moissons. Avant que moisson existait, tous les gens ont atteint à semaï. Moni, tous les gens ont atteint à semaï. Cela veut dire tous les gens ont atteint où il faut s'aimer. Tant que tu vas s'aimer, tous les gens ont atteint où s'aimer. Et puis, tous les gens ont atteint à moissonner. Que le Seigneur nous bénisse. Tondi makana nuboye na likanisi ya Nzambe, tondi makana nuke, se mère nanu ya liboso ezalaka nanu Nzambe ye moko. Tondi makana nuke, Nzambe ezalaka grand semère. Nzambe ezalaka grand semère, oyo asemaki fisi na ye, ayebi ko rekolte ye to ko buka ye, na mokolo ya resurrection. Tondi makana nubongo. Oh, le Seigneur est mort à l'obi, graine et blé, ce qui est koui et koufite, et au tic à la yangomoko. Mais ce qui est koui et koufi et kobota et komebele. Nous comprenons que Jésus, c'est lui la graine de blé, que le Père avait semé. Donc, dit maintenant que ses mères à mounene, ils en ont zambé yemoko, ou à ses maki fils nae, à boukiye na résurrection. C'est pour dire que la résurrection sera toute une moisson. La résurrection de Jésus, c'est toute une moisson que le Père devait moissonner la semence qu'il avait semée. Ça, c'est un aspect que le Seigneur nous bénisse. Mais tout est accompli. Tant que tout est accompli, tout est accompli, tous les mystères, ils sont là qui accomplis en Jésus. Nous avons dit que Jésus a 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 dit. C'est pour dire que ezala ki la fête des moissons. Na ben d'écriture moko, nazana mukanda ya Jean. Nazana mukanda ya Jean chapitre 4. Na mukanda ya Jean chapitre 4 oku remarqué tutangi yango. Na mukanda ya Jean chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Tozana mukanda ya Jean chapitre 4. Tozi verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. En fait, que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Verset 28. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur champ. Ok. Vous comprenez que tu as un langap. Mais on a basé mère, mon basé maki. Maintenant, nous avons retenu les apôtres pour moissonner. Que le Seigneur soit loué. Nous disons que avant que les apôtres baillent pour moissonner, les premiers moissonneurs, n'aspect moussou, c'est le Seigneur Yemoko. Donc, oubli que Basemer, Batali Sakapé, les prophètes de l'ancienne alliance. Leur semence, ou bande qu'on semait, c'était leur prophétie. Ma prophétie, nous bande qu'on prophétisait, c'était des mystères. Ou bande qu'on cachait. Donc, tant qu'ils prophétisaient, bande qu'on semait, bande qu'on banassait à ma belle. Donc, c'était des mystères qu'ils cachaient. Donc, c'est pour dire que quand il prophétisait, leur prophétie, c'était des mystères. La prophétie n'a pas un mystère. Maintenant,
Les seigneurs devaient venir pour moissonner. Les seigneurs devaient venir pour moissonner leur prophétie. Que le Seigneur bénisse. Il y a un autre qui est tant que je suis en mandala la ebimi, et zala qui pepo na kola ki sake, mkoloan zala qui fait ya moisson. Qui devait moissonner? C'était le Seigneur. Il devait moissonner quoi? Toutes les prophéties prophétisées par les prophètes et tous les mystères. Donc, tant que je suis en train de faire ça, je suis en train de faire et tant que les prophètes, quand ils prophétisaient, leurs prophéties étaient des mystères. Oh, bah, c'est masse, bah, c'était des mystères. Voilà pourquoi, quand les seigneurs étaient venus, tant que mon azo matane koulousou, c'est aussi le fait de la moisson. Moissonner par rapport à Jésus, cela veut dire qu'il était venu pour accomplir toutes leurs prophéties, il était venu pour accomplir tous les mystères de l'ancienne alliance. Yango moni présence à mandalala. C'est pour dire que Nengazo kende boye, hein? Et là qui entraîne à souka. C'est pour dire que c'est aussi une façon de dire que Nenge bomoni azo kende boye, a koko talisusu boyete, donc koko tane à souka yango, c'est ça la fête des moissons. Azo kende nekulusu pour moissonner. Cela veut dire, il va à la croix pour accomplir tous les mystères. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a un autre qui est à la croix, tant que nous avons tout est accompli. Cela veut dire à Kokisa qui tous les mystères prophétisés par les prophètes, tous les mystères ont été accomplis à la croix. Il y a un mystère mon côté, au Etikala, où le Seigneur a accompli. Donc à la croix de Golgotha, le Seigneur avait accompli tous les mystères. Que le Seigneur nous bénisse. Tous les mystères, tous les mystères, et bien qui n'a pas Kokisama. À la croix de Golgotha. Gloire soit rendue à Dieu. Moutoumorote moussoua kouya le lopoye bisabiso ke yenda zoko kouksa mystère. Ba mystère de kouksa makatinaye. Nous disons non. Tous les mystères ont été accomplis à la croix de Golgotha. Donc, et l'on se monika na kata Bible aussi ba sako libalo bake zala comme des mystères. Nyon se l'attaquanzoto na kata Yesu. Tout parlait de Jésus et Jésus l'avait accompli à la croix de Golgotha. Gloire soit à Dieu. Nous disons que Jésus, quand il entrait dans Jérusalem, tant que nous avons mandala là, c'était la fête des moissons. Jésus était venu pour moissonner. Moissonner quoi? Tous les mystères de la Bible, tous les mystères prophétisés en ce sujet, il était venu pour l'accomplir sur la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur Jésus. Ok. Pour le but que tout est accompli. Donc, il y a un Lévitique 23, pour tel ici le Seigneur, Oyo Aeba qui n'a quoi accomplir, ba mystère nyonso ya Nzambe, cela veut dire il était venu pour moissonner. Or, moissonner, c'est ça, accomplir tous les mystères de Dieu à la croix de Golgotha. Gloire au Seigneur. Mais pour Nabiso Lelo, moissonner par rapport au ministère Zanini, pour Nabiso Lelo, moissonner, par rapport au ministre, c'est pour dire que le ministre n'est single pas moissonné. Pour la biseau qu'on moissonné, par rapport au ministre, c'est interpréter. C'est pour dire que les prophètes avaient semé. Tu expliquer moissonné par rapport à Christ, c'est ça, accomplir tous les mystères. Mais par rapport au ministre, moissonné, c'est interpréter. C'est interpréter les Écritures. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous interprétons, nous interprétons tous les mystères par rapport à Christ. Vous voyez, nous interprétons tous les mystères par rapport à Christ. Ce que moni mutu na kat interprétation, azo bimisa mutu mususu, moni mutei, azo bimisa mutu musu na katalite ya keba, c'est un danger. Parce que lorsque les prophètes prophétisaient leur mystère, ils prophétisaient concernant Jésus. Yokali kam oyo Jean Azoloba. Jean Lobiboué. Jean chapitre 1, verset 45. Philippe raconta Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont prophétisé, Jésus-Christ et Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est pour dire que lorsque nous interprétons les prophètes, tobimisakande Yesu
na kati ya bisakoli ya ba prophète to bimisaka moto mususu te soko moni mutakomi ko bimisa moto mususu na kati ya bisakoli attention c'est la mort soko mutakomi ko bimisa branam na kati ya bisakoli c'était danger mutakomi ko bimisa o simo kimbangu o diangenda o mutu moko songolo o philippe soki kwaku soki pe nani attention c'est la mort qui entre. Nous nous croyons que tous les mystères parlaient de Jésus. Voilà pourquoi on remarquait le jour de la Pentecôte, quand Pierre avait ouvert sa bouche pour prêcher, il avait commencé à moissonner. Na kata moissonae a kolobaboe. David alobaki, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. A interprétant par rapport à Jésus. Akosimba alobi que David alobaki, tu ne laisseras pas le corps de ton serviteur voir la corruption, interprétant par rapport à Jésus, donc à moissonner. Vous voyez, il a prêché que Jésus. Il y a encore remarqué, tous les apôtres, quand ils prêchaient, ils démontaient Christ à travers les Écritures, parce que les mystères, ils ont rendu Jésus. Il y a des moutons qui pour accomplir tous les mystères de Dieu, où est-ce on te dit que les autres rappellent la fête à moisson. C'est qu'il y a moisson ou abysso l'élo, ils ont des interprétations d'écriture. C'est pour dire que lorsque nous interprétons les écritures, attention, na kata fait qu'il y a moisson, il y a l'abondance de la nourriture. Parce que biloko balona qui est bimi batoazolia, il y a l'abondance de la nourriture. Aujourd'hui, nous disons que nous avons l'abondance de la connaissance, l'abondance de la nourriture, parce que les ministères ont là pour travailler. Les ministères ont là pour travailler, parce que na moisson biloko ou les alakébélé. Yango lelo to la nourriture rebelle parce que les ministres sont là pour travailler, pour moissonner, en fait que l'abondance de la connaissance est bana kotalisama. Que le Seigneur bénisse, puis balobi que na fête yango wana, tozo mona pe mandalala et kotalisama. Or to kenda na psaume kotalisama mandalala lokola légiste, tango zo mona bato basimbi pe mandalala na fête ya moisson et talisaka que aujourd'hui nous sommes devenus des justes, aujourd'hui nous sommes justifiés à cause de la nourriture que nous mangeons. Or la nourriture que nous mangeons, c'est ça la prédication de Jésus, c'est ça l'évangile éternel, la prédication de la croix, cette nourriture nous justifie, nous sommes devenus aujourd'hui des justes. Que le Seigneur nous bénisse. Tokomi lelo ba justes. Or moyenge béni, eza muto atambolaka ni na gauche ni na droite, ya mutu atambolaka kolandisa masene doctrine. Que le Seigneur nous bénisse. Moyenge beni azate mutu azwaka fiancé obimi bimi 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 na fiancé wana obimi bimi na ye après changer te wana moyenge beni te ozu fiancé toboite fiançaille to pese exemple toboite fiançaille ya libala te mais ali bande c'est la libala s'il vous plaît na kata fiançaille batu baye bana ka ba comportement na kata fiançaille mais ce qui peut comportement ya ndekoza malam te on peut rompre beaucoup na basala nzambe on peut rompre na kata miable on peut rompre mais déjà pour tous monde na pe na kata bible Joseph alinga ki pe a se rompre na na fiancé na e Marie alinga ka rompre hein iza mabete na kata fiançaille ce qui exemple et simbité comportement tambo la malam te to ndibi to ko rompre pour na na témoin témoin na ngai iza Joseph na Marie. Mais attention, attention, les attaques aux huit mois n'a pas tout, au bimi 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 na yé, au longo lié basemi, bongo le bon rompre, tu vois, ça va ventir. Hein? On est à ventir, n'a pas de commandement, nous devons cesser les aventures. Nous devons cesser les aventures parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers, babatami na kate à l'ensemble, babatami na simali la qui s'y met ndumba ya degré moko donc, y a au saranako tout été. Frère Paul, nous sommes devenus des justes. Notre comportement, il faut prouver. Attention. Oana et Sengeli, ministère Tombola Mupanga est frappé. Vous voyez, ministère Tombola Mupanga est frappé. Soi au livret. Pour ça, et le rosal quoi la scandale. Quel est le nous bénisse. Quel est le nous bénisse. Donc, nous devons marcher dans la vie de la justice parce que nous sommes devenus des justes. Un juste est un mouton misala ya vinaye et au tambo la colandisa malitea. Un juste a coquille cause à la escroquer.
un geste à cause de la mouibité, un geste à cause de la hypocrite, un geste à cause de la vie à cache-cache, la vie de la justice. Parce que nous avons aujourd'hui même des prédicateurs qui nous ont dit que nous avons 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 dit que la vie de la justice, c'est pour dire que l'idée est que et c'est que les soukakara n'a qu'on démontré tes bonnes connaissances, bon, ça doit devenir toute une vie. Et ça la marche n'abisso, la vie n'abisso. Et ça la vie n'abisso. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, oui, il a l'abondance de la nourriture, il a l'abondance de la connaissance. Ton demi, oui, amen. Mais au corps rebarqué, bah, tu belé beaucoup de connaissances, mais leur vie. Na connaissance bazanango et vandate et balanate. Je vous dis, mon frère, ma sœur, tu peux avoir la connaissance. Mais si la vie de la pratique de la connaissance est athée, mon frère, ma sœur, ce que bongoli mote mate, aucun de l'ifelo. Que le Seigneur nous bénisse. Mandalala, na fête à moisson, et tel sakaba juste. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des justes, nous sommes justifiés, na nzela litea otozoyoka. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ils rappellent à ma casse à moutouté, ou moutabanga kanzambe. Mais on a dit là, on a dit là, on a dit là, on a. Voilà pourquoi nous devons prier afin que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous aider. Il y a autant de là, on a dit là, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui me tourne, c'est Ali, le numéro de M. Zali, plus 243 860 88, plus 243 80 28 860 75 Nabandeli plus 243 88 860 75 numéro Moussou Cezali plus 243 99 88 77. Laisse que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Tokutani prochainement en continuité à 6e parole.